1974. Juste au moment où on parlait à Lou Reed, les Ramones sont montés sur scène et c'était une vision effarante. Quatre mecs, vraiment patibulaires en fouson de cuir noir. On aurait dit que la Gestapo venait de débarquer. Pas de doute, ces mecs n'étaient pas des hippies. Et puis ils ont lancé une chanson. 1, 2, 3, 4. Et on a été frappés de plein fouet par une explosion de bruit. Un choc qui te faisait littéralement chanceler, comme un vent énorme. Dans le quartier de Forest Hills, on pouvait trouver des véhicules hors d'usage sur le trottoir. C'est classe. Quand elle se fracassait sur le pavé, le tube explosait et ça foutait une trouille terrible aux gens. Ah, fallait voir ça. Ok, ok, salut, pousse-toi. Salut toi, écoute, on peut plus rien pour toi, la blanchisserie. Putain, t'as pensé au lavement rectal, là, nom de Dieu. Ah, la première fois que j'ai rencontré Johnny, c'était en haut de la 66e. Il travaillait pour une blanchisserie et livrait du linge chez les gens. Alors, on amène les culottes de ses petites copines. Ta gonzesse, elle le sait que tu tapes toutes les fillettes du quartier. Putain de salopard. Et la reine de la nuit, elle est où la reine de la nuit, là? Est-ce donc, ma belle, je sais pas ce que tu fais de tes nuits, hein. Tu fais ce que tu veux avec ton cul, mais regarde donc, tu ferais mieux d'en sucer plus et d'en fumer un peu moins. Regarde, t'as plus rien à te mettre sur l'eau. Oh putain, ça me fait chier. Ouais, Joey? Ouais, salut. Salut. Dis-moi, là, quelque chose à propos de ton avenir, là, trois propositions. Ah, faites chier avec votre criminel poursuite. Petit A, tu voudrais faire le tapin pour nous. Petit B, faire le batteur pour notre nouveau groupe. Petit C, on va t'installer simple pour un bûcher de blague. Il leur reste des icônes. Alors, petit A, petit C, tu vas te faire enculer, petit B, j'arrive. Ça a pris des plombs, bah, Joey, pour installer la batterie. On a poireauté pendant tout ce temps-là. Putain, j'en pouvais plus. Alors, on a commencé à jouer. Puis on s'est arrêté après le premier morceau. Et on s'est tourné vers Joey. Ouais, mais on n'a toujours pas de batteur. Quand on auditionne des batteurs, c'est toujours toi qui leur montres comment il faut faire. Oh putain, pour une fois que tu dis pas une connerie, Joey, Tommy est à la batterie. Ouais. Jeff Freeman, ça fait désormais Joey Ramone. Duke Colvin, Judy Ramone. John Cumming, Joey Ramone. Et Tommy Ardoli, Tommy Ramone. Les Ramones, un pseudonyme de Paul McCartney. Ridicule pour un groupe de jeunes. Les morceaux de 2 minutes avec un maximum de 3 accords. Ouais, mais c'est mon groupe. Les textes existentiels comportant en tout et pour tout 2 lignes. Les autres membres du groupe observèrent comment ils faisaient pour que ça fonctionne et la dynamique du groupe vit boule de neige à partir de là. Non, c'est mon groupe. 1, 2... 3, 4! On aurait peut-être pas, mais on n'en est pas. On serait peut-être plus heureux.